Dans un monde saturé de bruit constant, où chacun semble crier ses rêves et ambitions, depuis les sommets numériques, une sagesse intemporelle, souvent négligée, émane de l'empereur romain et philosophe stoïcien, Marc Aurèle. Ne révélez pas vos projets. Ancré dans la philosophie stoïcienne, ces mots soulignent le pouvoir du silence, de la discrétion et de la préservation de l'énergie. À l'ère des médias sociaux, l'envie de partager chaque ambition est forte. Cependant, Aurèle comprenait que la divulgation prématurée invite des opinions externes, dilue la concentration et compromet la résilience. Le stoïcisme enseigne que la véritable satisfaction vient de l'intérieur, sans être influencée par des facteurs externes tels que les éloges ou la validation. Le silence, l'obscurité et la patience deviennent des outils de croissance personnelle. En gardant les projets privés, on protège les aspirations des critiques externes, on cultive la force intérieure et on apprend à surmonter les revers avec résilience. C'est une pratique de la patience, permettant aux idées de mûrir avant de les dévoiler au monde. La surprise devient un puissant levier lorsque les réalisations sont dévoilées de manière inattendue. L'élément de surprise associé à la maîtrise par une pratique dédiée renforce l'impact des accomplissements. Cette approche s'aligne sur les vertus stoïciennes telles que l'authenticité, l'autosuffisance et la focalisation sur le voyage plutôt que sur la destination. L'application des principes stoïciens à l'ère numérique nécessite un partage réfléchi, des connexions sélectives et un équilibre dans les activités en ligne. Alors que le voyage stoïcien se poursuit, l'adaptabilité, la résilience, la réflexion et le soutien communautaire contribuent à une vie vertueuse. En fin de compte, le but est l'épanouissement et la paix intérieure grâce à la finalité, l'authenticité, la résilience et un impact durable. La sagesse de Marc Aurèle et du stoïcisme offre un phare dans la navigation des complexités de la vie. Le voyage stoïcien, marqué par le silence et l'action réfléchie, mène à une vie riche en satisfaction, en finalité et en sagesse.